Réveil en douceur pour les habitants de la Foire du Trône. La Foire, un village de 10 hectares en plein cœur de Paris, une micro-société avec ses pratiques et son rythme. 10h30, le réveil est tardif après une nuit de travail. Les rues encore vides de la Foire se remplissent petit à petit. Les visiteurs ne sont pas encore là, c'est relâche pour les machines. Mais le travail ne manque déjà pas pour les occupants. Ils sont quelques 350 patrons forains comme Karl à avoir le même rituel chaque matin. Aussitôt levé, direction le métier, le manège. À 32 ans, Karl est en charge du King, une attraction que son père lui a transmise. Essaye de faire attention de ne pas mettre trop d'eau, parce qu'après l'eau va sur les contacteurs en dessous. Et le calage qui avait bougé à droite, tu l'as remis à sa place? Le calage qui avait bougé là à droite, tu l'as remis à sa place? Non, celui-là à côté. Alors, les calages, on les fait avec une jumelle laser. Donc pour tout manège soit de niveau, calé au laser. Mais ensuite, avec un terrain comme ici qui est meuble, bon là on a eu la chance, et ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de pluie, mais dès qu'il pleut, c'est à surveiller, parce qu'avec le poids du train, ça tasse la terre, ça tasse le calage. Et après, on n'est plus de niveau. Et la première chose à voir, la plus facile pour voir qu'on n'est pas de niveau, c'est déjà que les cales ne tiennent plus. Donc, des vérifications standards. C'est de taper un peu voir sur les cales s'il y a quelque chose qui bouge. Voilà. Ensuite, on va regarder un petit peu si jamais il y a la structure métallique n'a pas un peu bougé. Alors après, je vais faire un petit tour sur les rails, voir si tout va bien. Pour effectuer cette surveillance quotidienne, Karl est épaulé par 2 à 3 personnes. Le King, c'est le plus grand manège de la Foire du Trône. Entretien, nettoyage, vérification. Chaque jour, c'est près de 2 heures de travail. Comme d'habitude, beaucoup plus facile à monter qu'à redescendre. Et le tout s'enfilait souvent à plusieurs mètres du sol. Je suis en sécurité, j'ai des bonnes chaussures. C'est pas possible de t'attacher? Bien sûr. Mais généralement, quand on s'attache, on tombe. Les artistes de cirque, on travaille sans filet. Et en plus, on n'est pas bien haut, quand même pas exagéré. La sécurité, les accidents, c'est quelque chose auquel on pense ou pas? On essaye de ne pas y penser. Évidemment, on y pense. Parce qu'on est là, au départ, c'est pour amuser le public. Et c'est vraiment la pire chose qui peut nous arriver, c'est un accident. Et si rien n'est laissé au hasard, c'est que les 2 mois de foire sont déterminants. Pendant que Karl prépare le manège, sa femme Johanna, elle tient les comptes. La Foire du Trône, c'est 50% de leur chiffre d'affaires annuel. L'enjeu est énorme, le travail de forain lucratif, à condition tout de même d'avoir les reins solides. Eh bien, les gros postes de dépenses, c'est d'abord l'occupation des places. Sur une foire comme la Foire du Trône, on a à peu près pour 30 000 euros d'occupation, de charges, d'EDF, etc. Après, c'est la route. Ce qui coûte le plus cher, c'est la route. Nous, on a 17 semi-remorques qui vont descendre dans le midi, là. Donc, avec le prix du gasoil et les assurances et les taxes et tout, ça coûte très, très cher. Si vous voulez, on a les mêmes contraintes que les routiers, ça nous coûte le même prix. Après, on a les mêmes contraintes que les commerçants. On a les mêmes frais que plusieurs corps de métier. Il est midi, ouverture du parc aux premiers visiteurs. Les gros manèges font sensation, investissement de 1 à 3 millions d'euros par machine. Alors pour mutualiser certaines dépenses, les forains se sont structurés. Une fois par semaine, ils se retrouvent pour prendre des décisions. Aujourd'hui, il est question de la prochaine campagne publicitaire. Vous savez quand même que la campagne d'avenir, là, c'est 230 000 euros. Donc pour l'instant, anticiper et demander des devis et qu'on n'a pas une thune, il faut savoir déjà qu'est-ce qu'on a à consacrer là-dedans. Et l'une des difficultés, c'est d'arriver à prendre des décisions pour le bien commun. 350 forains, c'est aussi 350 idées et autant de fortes têtes qui pensent d'abord, et c'est bien normal, à faire marcher leur entreprise.
Et c'est difficile déjà de s'écouter, on voit que c'est un peu le brouhaha en ce moment. Il y a encore des petites difficultés à régler. On dit ce qu'on a sur le cœur et on essaie d'améliorer les choses. Et après, il faut trancher. Et pour trancher, il y a des plus sages qui sont là. Et eux, ils vont prendre le papier, puis on va voir ce qu'il faut peut-être faire. Des sages comme Marcel Campion, plus de 40 années d'expérience. Cette figure de la Foire du Trône a vu le métier évoluer. Aujourd'hui, être forain ne se résume plus simplement à faire tourner une roue. Il n'y a pas seulement que le boulot sur le manège ou sur l'attraction. Il y a aussi penser à essayer de promotionner, créer des animations. Donc c'est une préparation. Nous, on est là pour les aider, hein, à savoir, à leur expliquer ce qu'on a pu vivre. Ce qu'on pense, et puis à eux de faire l'avenir, hein. Leur avenir leur appartient. Hein. L'expérience et la sagesse, par toi? Bah, la sagesse, mais si on veut, vous savez, les forains ne sont pas très sages. C'est une communauté remuante, alors je ne pense pas, même qu'à 68 ans, je sois sage. Une communauté, une famille, en réalité. Le lendemain matin, un branle-bas de combat dans la rue principale, c'est le jour de la grande messe annuelle. Trois baptêmes vont être célébrés, et c'est donc la pleine effervescence du côté du comité des forains. Gérard, je te mets ça là. Et on te les met où, tes peluches? Devant, Bah, ils écoutent pas. Et pour l'occasion, il devrait y avoir beaucoup de monde. L'explication est simple, on est forain de père en fils ou par mariage. Résultat, quasiment tous les occupants de la Foire du Trône ont un lien de parenté. Ce rendez-vous annuel leur permet donc de se retrouver et de communier ensemble. Le Seigneur qui va arriver parmi nous, c'est important pour tous les forains qui sont catholiques. C'est une tradition. Dans chaque fête, on a une messe de célébrer. C'est notre vie, ça va avec, quoi. Et puis tous les forains vont être là, même des gens, des forains qui sont dans l'Est, ou des gens qui sont de l'autre côté, dans le Sud. On se réunit à l'occasion de la messe. Et cette année, c'est le cardinal de Paris, Mgr André 23, en personne qui se déplace. Une messe peu ordinaire entre les reines de la foire et les clowns. Un honneur pour les forains. Calypso, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Il faut dire que la religion a une place toute particulière. À la demande des forains, chaque année, un curé vient s'installer pour 8 semaines. Discrètement dissimulé entre deux stands, voici le lieu, l'aumônerie. Au fond, deux baraquements, dont la chapelle. C'est ici qu'est célébrée la messe hebdomadaire du samedi. À côté, l'aumônier ne fait plus cours de catéchisme comme autrefois, mais le lieu reste fréquenté par toutes les générations. On est heureux de se retrouver, mais c'est la vie, là. L'aumônerie, c'est pas un truc à part, c'est pas un poulailler, c'est pas un zoo, c'est pas... Non, désolé, l'aumônerie, c'est la vie de tous les jours, sinon c'est pas l'aumônerie, c'est tout ce qu'on veut. Si on est capable de boire un coup ensemble, on est capable de faire le travail ensemble, capable de porter la peine ensemble, on partage tout. Dernière petite photo pour la route, la cérémonie s'achève, le quotidien des forains reprend. Midi, c'est l'autre grande messe, celle de l'ouverture des attractions au public, ambiance, cri. Aux manettes, le discours est bien rodé, des bruitages, des blagues, tout un savoir-faire pour taquiner, voire agacer les clients. Bon, on s'en fait une petite dernière? Seulement pour la petite dernière, je veux voir tout le monde avec les mains en l'air. Bien haut les mains. Il y en a qui se dégonflent là-bas. Dépêchez-vous, tout le monde vous regarde, hein. Un métier qui s'apprend dès la plus tendre enfance, c'est le cas de le dire. Il y a peu, l'école n'était pas une priorité, peu de forains dépassaient le stade de la 6e. Aujourd'hui, la jeune génération va un peu plus loin, cela demande juste un peu d'organisation. Depuis que j'ai commencé à aller en maternelle, avant je faisais à peu près 5 maternelles dans l'année, des trucs comme ça, donc maintenant plus que 2 collèges, je m'habitue vite. Parce que d'un collège à l'autre, ça change souvent un petit peu le programme. Bah, pour attraper les cours, je me débrouille avec des amis pour attraper les leçons et voilà. Pendant les vacances, comme ici, les deux frères apprennent donc le métier, chacun à son rythme. Mais ça, c'est la façade. Moi, c'est ce qu'il y a là. Voilà. Ça, c'est le... plafond. Ça et ça, c'est quoi? Les côtés des poteaux. Les côtés des poteaux, voilà. Et celui-là, c'est un vent. Ça, c'est les boutons en plus, pour remettre des projecteurs ou quelque chose. Allez, je vais sur la piste un peu. Après observation, passage à la pratique, Maxime remplace quelquefois son père. Tout n'est pas encore parfait, mais il a le métier de forain dans les gènes. Je préfère bouger et comme ça changer de fête foraine. Et de toute façon, je vais reprendre le métier de mes parents, certainement. Donc je serai en fonction, j'achèterai un manège et je commencerai comme ça.
Acheter un métier, le rentabiliser, il faut en moyenne 15 ans, sans parler du prix de l'acier qui atteint des sommets. Pour être novateurs, ils sont donc une poignée à concevoir eux-mêmes leurs attractions. C'est le cas de Bernard avec le Skyrider, 5 concepts à son actif qu'il exploite à travers la France. La nouveauté, c'est son obsession. C'est dur de satisfaire les gens ou pas ? C'est très dur, oui. Il faut trouver ce qui leur plaît. Il ne faut pas que ça fasse trop peur. Il faut que ça fasse quand même un peu peur. Cambrez-vous. Et il faut que les gens aient une impression de sécurité aussi. Ah bah oui, bien sûr. Moi, je surdimensionne les choses. Allez, ce manège, il est surdimensionné. Allez, c'est parti. Les piliers, ils sont plus gros que prévu, excusez-moi. Les piliers, ils sont surdimensionnés. Bien sûr, on pourrait faire beaucoup plus petit. Moi, ce que j'ai fait, j'ai surdimensionné pour donner confiance aux clients. Alors des gens contents donnent envie à d'autres personnes de venir s'inscrire. Et ça fait l'effet boule de neige. Séduire les 3,5 millions de visiteurs, c'est la clé du succès. 15 heures par jour, 7 jours sur 7, les forains y travaillent donc. Mais derrière cette machinerie commerciale, les forains cachent aussi un cœur. Cet après-midi, par exemple, une collecte de sang est discrètement organisée par le comité. Seuls les forains sont sollicités et solidarité oblige, pas question de refuser. John, viens remplir la fiche. Là. Tiens, prends un papier. Tiens. Non, mais c'est pas grave, c'est oui et non, tu sais lire. C'est une petite croix. Des actions charitables comme celle-là, le comité des forains en organise plusieurs chaque année en faveur des enfants hospitalisés, mais pas seulement. Bah écoutez, on fait des journées pour les handicapés, pour les orphelins de la police, pour beaucoup de choses de cette manière quoi, qu'on essaie de faire sur la foire. Disons qu'on essaie toujours de faire au mieux. Quoi. Et bah parce que disons qu'aussi, peut-être que dans notre métier, on est plus en contact de pas mal de personnes. Et puis c'est un peu dans notre esprit, on va dire. C'est notre mentalité un petit peu qu'on a chez les forains, que les gens ne connaissent pas trop non plus peut-être. Et pour le coup, aucune excuse pour s'y soustraire. Parce qu'on court toujours après le temps, on est toujours en train de travailler. Et là, comme c'est sur la foire, comme c'est à côté de chez nous, et ben on le fait. Comme on est déjà sur le site, alors on le fait. Donc on est bien solidaires. Très important. Communautaire et à la fois individualiste, tel est le paradoxe de cette population nomade. Dans sa course perpétuelle, la communauté s'accorde tout de même quelques heures de répit. Passé minuit, quand la fête s'éteint, celle des forains commence. Une vie noctambule et nomade que la jeune génération embrasse avec détermination.